Bref, nos meilleurs amis se marient. Bon les gars, qu'est-ce qu'on prévient pour leur mariage? Et si on faisait un diapo? Adrien, c'est lui, lui et lui. Sarah, c'est elle, elle et elle. On faisait une danse! Cause this is Africa, Samina, Mina, Waka, Waka, Samina, Mina, Sakalewa, this time for Africa. Et là, on fait le truc. Et on ferait pas les blagues d'Adrien? Heineken? Et trois Barbies, s'il vous plaît. Ah, j'ai une blague. En chantier, je m'appelle Teuse. T'es vraiment un camé, Léon. Ouais, pas top, quoi. Si on les imitait. Bibou ! Ah ! Bibou ! Bibou ! Quoi ? Allez ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est l'heure de Catherine ! Quelle Catherine ? Mais 2016 ! Quoi ? Mais Bibou ! Oh, Adrien, t'es chiant, je dors! Quand on envoie un message à Sarah... et que 3 jours plus tard, elle répond ça... Je suis en retard! Finis-moi en retard! Oh, oh, c'est bon. Ça fera l'affaire. Arthur, pas changer assiette pour fromage. On est fort. On pomme. Arthur, la fleur en bouquet, fan, et jamais de René. Et si on faisait un petit tour à moto? Ça tourne pas! Bref, on vous souhaite... Salut, un petit mot pour vous souhaiter plein de bonheur à tous les deux. Sarah, occupe-toi bien d'Adrien, c'est mon seul frère. En tout cas, je suis très content de t'avoir comme belle-sœur. Salut Adri, salut Sarah, voilà. Ben écoutez, je vous souhaite tous mes vœux de bonheur, que tout ce que vous avez envie se réalise, que tout se passe bien pour vous. Surtout ne changez pas, on vous aime comme ça. Et n'oubliez pas la tradition, la veille du mariage, chacun dort à part. Salut les amis, voilà, je vais pas faire original, je vais tout simplement vous souhaiter le meilleur, tout ce qu'on peut souhaiter de bon pour votre nouveau départ. Voilà, gros bisous. Coucou les amis. Salut. Alors ça y est, c'est le jour J, vous voilà donc mariés, bienvenue dans le club. Hein. Donc voilà, j'espère que vous passez une très très belle journée. En tout cas, je voudrais te rappeler Adrien que pour moi c'est un très grand honneur que tu m'aies choisi comme témoin. Qui l'eût cru lorsque nous avions 3 ans et qu'on jouait chez nos grands-parents respectifs, qu'on allait être témoins respectifs de nos mariages, c'est juste magnifique. Nous vous souhaitons une belle et longue vie à deux, pleine d'amour et de petits et grands bonheurs. Et puis qui sait, dans quelques années, il y aura peut-être 1, 2, 3, 4 petits Richard. Salut Sarah. Salut Adri. Voilà, on espère que cette journée a été à la hauteur de vos espérances. Bon, moi Sarah, j'ai voulu te faire une petite référence au DAX, tu vois. On est dessus là, pour le moment. J'espère que votre mariage sera pas aussi mouvementé que ta conduite sur le DAX. Je pense que vous avez tous pu le voir. Écoute, voilà, plein de bonheur et que tout aille bien. Plein de bisous. Voilà. Bon ben voilà, on vous souhaite plein de bonheur et plein de bonnes choses pour les toutes les années à venir. Si Laurie arrête de rire un petit peu et voilà, et plein d'enfants. Faites gaffe, ça arrive plus vite qu'on le pense parfois. Plein de bisous. On vous souhaite plein de bonnes choses et ben la vie devant vous, on vous fait plein de bébés et voilà, j'espère qu'on fera plein de raquettes chez vous. Toutes mes félicitations, Mitch, Benoît, Mitch Buchanan, joie de vivre, moult surnom, je vous souhaite tout le bonheur du monde et plein de petits-enfants et une longue vie, heureux, quoi que soit vos projets. Vous aime pas. On vous aime. Bisous, bisous. Tom, 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 tom. Vous n'êtes pas sans ignorer de le savoir, mais le mariage est la rencontre de deux automobilistes usagers de la route. En général, l'usager concerné trouve chaussures à son goût. Cependant, il pense que l'autre est inaccessif. S'ensuit alors une parade nocturne,
Le conducteur s'en retrouve alors tout feu tout faire. Afin d'assurer la bonne marche de la relation, ce dernier tente une approche digne d'Alain Proust. Une fois n'est pas costume, si vis passem par bellum, il faut bien sûr se marier. Et pour fêter cet événement festif, les mariés invitent les invités. C'est alors que nous nous associons, mon collègue et moi, à vous souhaiter un bon anniversaire. Bonne route. Une fois pour mon anniversaire, Sarah, tu as écrit dans une des cartes « Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur ». Et je pense que là-dessus, tu n'avais pas tort. Et donc, je me suis dit « Qu'est-ce qui représente les couleurs ?» Et j'ai pensé à l'arc-en-ciel. Et donc, je vous souhaite du rouge, de la passion, de l'orange, de l'énergie, du jaune, bonheur et joie, du vert, l'équilibre et la nature. Je vous souhaite du bleu pour la rêverie, parce qu'il faut garder son âme d'enfant, de l'indigo, parce que l'indigo, c'est pouvoir se connaître soi, et je pense qu'il faut savoir ce qui nous anime individuellement. Et alors du violet, parce que le violet, ça représente la sagesse. Et je pense que si vous arrivez à cumuler toutes ces couleurs, vous pourrez enfin atteindre l'or, les noces d'or et les 50 ans, en espérant qu'on puisse tous être là pour voir ça. Plein de bonheur et que tout se passe bien pour vous. Sarah et Adrien, nous vous souhaitons tous nos vœux de bonheur. Et que tout se passe comme pour nous ici, sous le soleil et sans aucun nuage. Salut les minous, et bien voilà, donc je voulais vous souhaiter donc plein de bonnes choses pour ce mariage. J'espère que cette journée sera vraiment une grande réussite pour vous, mais j'en doute pas une seule seconde. Je voulais vous remercier pour les deux personnes que vous êtes, vous êtes vraiment deux personnes très importantes pour moi. Merci de m'avoir accordé un petit rôle à votre mariage, j'espère avoir été à la hauteur de vos espérances. Je voulais vous souhaiter tout simplement plein de bonnes choses, plein de bonheur, et surtout une seule chose, restez comme vous êtes, c'est juste parfait. Je vous fais plein de gros bisous. Bref, on a eu beaucoup de fou rire. Oui. Oui, Clem, non, ça va. Que quelqu'un fasse Adrien qui pète le gris. Hé, il est 20h34. Mais non, c'est midi. Mais oui, c'est midnight, il est 20h34. Mais non. Le but, c'est que je regarde l'horloge et que je fasse Hé. Putain, elle va me faire changer. Attendez-moi, hein. Mais il faut qu'on se mette en place. Eh ben on sait pas. Bon les gars, qu'est-ce que vous feriez pour leur mariage?